les amis, c'est Mitraplama de Nintendo Alert et Station of Play et je vous retrouve aujourd'hui pour une soluce du sanctuaire de Ijo-ho qui se trouve donc dans le ciel à cet endroit-là. Allez, c'est parti. Donc on a clairement entendu un bruit de golem. On s'en débarrasse. On récupère cet artefact qu'on va coller à notre bouclier. Si vous demandez pour le bouclier, n'hésitez pas à aller voir sur Nintendo Alert, que débloque les amiibo dans Zelda Tears of the Kingdom. Donc là, ça va être simple. Hop. Juste d'avoir le coup de sortir le bouclier qui s'est transformé en lance-flamme. Hop. Le bloc pour récupérer le coffre. Et qui nous donne 5 flèches. On continue. Donc on va aller équiper le bouclier de cette dalle. On va s'en servir pour se protéger du feu, tout simplement. Alors, encore un de nos amis golems. Dont on se débarrasse également. Et là, tout simplement, pareil, hein, vous allez coller ces fusées sur un de vos boucliers. Ce qui va avoir pour effet de nous propulser, moi je dis fusée, c'est propulseur, vous avez bien compris. Voilà, de nous propulser jusqu'à la fin du sanctuaire. Si cette soluce vous a plu, n'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner. Je vous remercie et je vous dis à très 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 bientôt. Bye bye les amis.